Nobo, comme tu peux le voir, on est enfermé dans une pièce, mais il faut absolument qu'on arrive à trouver la sortie. Gros, il y a Peppa Pig derrière, gros. Je viens de voir Peppa Pig, je te jure, gros. Gros, je l'ai vu aussi, mais attends, mais il était complètement monstrueux. Est-ce que tu as vu ses dents tellement tranchantes? Oh non, mec, c'est clairement Peppa Pig.exe. Il ne faut absolument pas qu'il nous mange, mec. Et pour cela, mec, il va falloir trouver la sortie, mec. J'espère que t'es fort en escape game, Nobo. Mec, bien sûr que je suis super fort, mais attends, cela voudrait dire qu'on est dans la ferme de Peppa Pig à l'heure actuelle? Ah oui, mec, il faut absolument qu'on bouge, que j'ai pas envie de mourir, mec. Pourquoi il y a un surfeur blond qui est juste là? C'est qui, lui? Bonjour, monsieur le surfeur, comment ça va? Attends, on va lui demander de l'aide parce qu'on a besoin d'aide. Bonjour, tu vas devoir détruire quelque chose avec ta pioche. Oh, attends, on doit détruire quelque chose, mec. Frappe sur tout ce qu'il faut, gros. Oh, moi, j'adore tout casser. Attends, gros, regarde, juste ici, j'ai cassé avec ma pioche, mec. Gros, c'est incroyable. Par contre, mec, c'est moi ou c'est un campement de Peppa Pig juste ici? Gros, y'a Peppa Pig qui est encore là-bas. Non, c'est bon, moi je me barre, moi. Il faut absolument qu'on trouve la sortie, mec. Gros, bien sûr. Mec, c'est lui, Peppa Pig? Ah non, lui aussi il est rose, mais non, c'est un flamant rose. Oh, attends. Oh, mec, attends, j'ai un bourlingueur, mec. Oh là là. Ah ouais, un bourlingueur. Attends, et là, il y a des cibles juste ici, donc à mon avis, il faut peut-être tirer dessus. Oh, attends, ça va peut-être activer quelque chose. Ah oui, regarde, juste ici, attends, peut-être on va réussir à s'échapper juste là de cette deuxième... Oh non, mec, il faut absolument qu'on parte de cette ferme de Peppa Pig et Nobo. Mec, j'ai une question à te poser, ton cognier. Comment tu appelles le truc ici qui sort du tracteur, toi? Bah ça, c'est une trompette de tracteur, non? Une trompette de tracteur, quoi? Attends, tu vas me dire que les tracteurs font de l'instrument? Oh! Voilà, ah, comme ça, exactement. Bon, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Nobo, il faut absolument qu'on parte d'ici, mec. D'accord? T'es pas d'accord, mec? Moi, je suis entièrement d'accord. Par contre, est-ce que tu sais qu'est-ce que fait le Peppa Pig à tous ceux qui l'attrapent? Là, actuellement, il est 3h du matin, mec. C'est sûr que si Peppa Pig nous trouve dans l'état actuel des choses, mec, on va tous les deux décéder. Et je n'ai pas envie de décéder, Nobo le bobolé. Absolument. Et tu sais qu'apparemment, il tranche ses victimes aussi finement que des tranches de bacon? Oh non, je veux pas devenir du bacon, Nobo, je suis pas con, quoi? Quoi? Bah, un petit peu quand même. Attends. Quoi? Oh, Nobo, regarde. Attends, c'est bon, nice, on a réussi à trouver la sortie. What? Attends, je pénètre le trou, attends, je te suis. Gros, c'est étrange, mec, moi qui pensais avoir trouvé la sortie, en fait, ça n'a pas l'air d'être la sortie, là, dans Nobo, dans l'état actuel des choses. Absolument pas, par contre, je suis vraiment pas rassuré de marcher comme ça, il y a peut-être... Gros? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? Gros, j'ai... Non, allez, cours, il va m'attraper les pattes, c'est sûr, fonce. Non, y'a Peppa Pig dans le tuyau, gros, non, c'est pas vrai. Gros, mais attends, mais comment il fait pour passer le tuyau? J'ai jamais vu des cochons dans des tuyaux. Je sais pas, mais regarde ici, y'a un pot de miel. Attends, on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mec, du pot de miel? Oh, nice, j'ai un transformant accessoire, je vais pouvoir me transformer en pot de miel. C'est sûr, si Peppa Pig il passe à côté de nous, il va pas nous reconnaître parce qu'on a un pot de miel, mec. Mais mec, attends, moi j'ai peut-être une autre idée. Si à tout moment on trouve un cochon, on se transforme en cochon, comme ça il pensera qu'on est également un cochon. Oh, ouais, la bonne idée. Attends, on est dans une ferme, normalement on est censé trouver des cochons. Attends, Nobo, est-ce qu'il ressemble à un cochon là ou pas, mec? Bah mec, on est tous les deux des cochons. C'est... Nous sommes les Peppa Pig. Bonjour. Alors moi j'aurais dit que c'était plus un hippocampe, mais bon, c'est pas grave. Attends, il faut absolument qu'on trouve quelque chose, la sortie et... Oh, regarde, attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Mec, un trou... Attends, mais je rentre pas dedans avec mon gros ressort. Oh, mon corps est trop gros. Attends. Si je comprends bien, il faut qu'on arrive à pénétrer le trou challenge, là, mec. C'est ça, donc il faut absolument trouver un truc tout petit. Alors, du coup, je vais monter sur mon cochon des mers. Attends, mais c'est des cochons des mers, ça, en fait, du coup, des hippocampes. Non, Oh, attends, regarde juste ici. Mec, je suis transformé en canard. En coin-coin. Coin-coin. Et petite question, Jean-Fils, toi, quand tu prends ton bain, est-ce que tu joues avec des petits canards jaunes comme ça aussi? Ah oui, je joue au canard heureux challenge. Tu connais ce jeu ou pas, Nobo? Je connais absolument pas, mais ça a l'air super chouette en tout cas. Alors, je t'explique. Tu mets un canard en plastique dans ta bouche et puis tu comptes jusqu'à 3 et tu mets ta tête dans l'eau et t'essaies de rester le plus longtemps. C'est l'épreuve du canard heureux, mec. J'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que tu es le seul à faire cette épreuve. Hein. C'est pas grave. Oh, nice, c'est bon, l'épreuve réussie. Oh non, c'est pas vrai, Nobo, y'a Peppa Pig qui est juste derrière nous. J'ai vraiment peur, Nobo. Mec, par contre, est-ce que tu te rends compte de la chose juste ici? Peppa Pig, il y a un laboratoire avec des armes nucléaires pour tuer toute la planète. Non mais mec, il faut absolument que... Oh non, il y a Peppa Pig qui vient de passer, gros. Non, il est juste là, gros. Il faut absolument pas qu'on se laisse avoir, mec. Il faut trouver la sortie le plus rapidement possible, Nobo. Attends, est-ce qu'on peut passer sur ça? Ouais. Oh nice. Oh non, je suis tombé, gros, Nobo. Ok, là, il y a le saut. Attends, mais il y a un cadre qui m'énerve, gros. Est-ce que tu sais me dire retirer le cadre parce que je suis pas assez fort, mec? Vas-y, t'inquiète, je vais t'aider à retirer le cadre. Ok, normalement, tout devrait bien se passer. Attends, allez, hop, allez.
Vas-y mec, passe, vite, passe, parce qu'il y a Peppa Pig juste derrière, mec, j'ai vraiment pas envie de me tuer. Ok, là y'a un énorme... gros, je tombe pas dans le trou ici en premier, hein. Mais gros, t'as l'habitude de pénétrer des trous, mec, pénètre le trou, s'il te plaît. Ok, je peux sauter, y'a pas de problème. Je pense pas que Peppa Pig soit dans cette pièce, mec. Vas-y, viens, tu seras en sécurité. Ok, mec, pourquoi y'a une peau de loup arrachée? Non, me dis pas que Peppa Pig, le cochon, a mangé un loup. Oh non. Gros, bah attends, mais ça veut dire qu'il est carrément surpuissant, ce Peppa Pig. Bon, mais regarde, il a mangé un cerf aussi, mec. Oh non. Gros, et il a mis des nains aussi, donc ça veut dire qu'il mange des nains, des loups et des cerfs. Attends, mais je pense qu'on est la suite de son repas, très clairement. Attends, on va voir plusieurs d'aide. Oh gros, regarde. Bonjour, Spider-Man. Qu'est-ce qu'il fait là, Spider-Man? Il est venu me sauver ou quoi? Mais gros, c'est bizarre. Spider-Man, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît, à trouver la sortie? Parce que là, moi et Nobo, on galère un peu. Hein? Ah ouais? D'accord. Ok, merci. Ok, Nobo, il nous a dit d'aller en dessous de la table, gros. Attends, En dessous de la table? Attends, mais qu'est-ce que je comprends plus rien. Oh! C'est Spider-Man, je sais pas si tu nous entends, mais merci, mec, t'es vraiment le boss. Merci. Par contre, t'es sûr que Spider-Man, c'était pas tout simplement Peppa Pig transformé en Spider cochon? Ben non, j'espère pas, parce que justement, il nous a donné la sortie, mec. Oh là là, on est où, là? Oh non, regarde. Gros, mais attends, Peppa Pig a carrément un élevage de dinosaures et un élevage de poules pour les dévorer tous les soirs. Non, mais attends, Nobo, il faut pas oublier que c'est PeppaPig.exe, parce qu'il est actuellement 3h du matin. C'est sûr, il utilise les dinosaures pour faire des expériences sociales, mec. Oh non, gros, est-ce que le dinosaure te mange? En combien de temps le dinosaure te mange et tout? Je suis sûr que c'est ça, ces expériences sociales. Je suis vraiment effrayé par la chose. Oh, attends, ici, j'ai des poulets, gros. Qu'est-ce qui se passe, mec, avec les poulets? Bah attends, mais je sais pas... Ah! Oh! Gros! La barre où il y a une sortie! Il y a trou! Ouais, je te jure, il y a un troux! Attends. Oh mec, il va falloir essayer de pénétrer le trou, le challenge encore une fois, mec! Oh mais gros, c'est impossible, j'ai pris beaucoup trop de poids ces derniers temps et c'est impossible que le poulet m'emmène aussi loin! Attends, il y a un bouton juste là, on est parti pour appuyer sur le bouton, je sais pas ce qu'il va faire. Oh, c'est censé réapparaître les animaux. Ah, bonjour la poule, attends, mais je comprends pas. Ah, attends, le triceratops a respawné. Du coup, attends, qu'est-ce qui se passe si par exemple je me fais manger par le triceratops? Vas-y, triceratops, mange-moi! Regarde! Attends, mec, ça fait spawner des cartons, mec. Attends, mais c'est génial. Mais attends, mais gros, on peut faire une pile de cartons pour monter jusque là-bas. Oh non, du coup. Attends, mais il y a peut-être bien moyen, effectivement, parlant de... Bon, regarde, je mets un carton là. Vas-y, prends un poulet. Ouais. Gros, je suis en train de faire une technique légendaire. Ok. Attends, vas-y. Ok. Lance-moi ton poulet après, mec. Lance-moi ton poulet parce que moi, j'ai plus de poulet. Merci, mec. Tiens, prends mon gros poulet et par... Attends. J'ai qu'à soit le poser là. Maintenant qu'on parle de poulet, de cochon et tout le bazar, c'est quoi ta viande préférée entre la vache, le cochon et le poulet du coup? Mais mec, je vais pas dire si c'est le cochon, parce que si j'ai le cochon, il y a Peppa Pig qui... Oh vite, bouge de là, gros. Non, tiens, je te donne un poulet pour te nourrir. Peppa Pig, il a dit qu'il préférait le cochon. Non, arrête de mentir, gros, j'aime pas le cochon, mec, moi je préfère la vache. C'est quoi cet endroit complètement lugubre? Non, bon, je viens encore de voir Peppa Pig derrière. Oh non, il va nous manger, c'est sûr. Oh, mais vite, dépêche-toi à trouver une solution pour s'enfuir d'ici, vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, est-ce qu'on peut rentrer dans la télé? Oh oui, on peut rentrer dans la télé, mec. Non, mais regarde, il y a Bobby juste ici. Coucou, Bobby. Mec, regarde, il y a un Flubber juste ici. Attends, petit Flubber, est-ce que tu peux nous aider? Ah, il nous a dit d'appuyer sur le bouton. Bah, tu sais quoi, on va appuyer sur le bouton. Oh, ça a activé la gravité dans l'ascenseur. Attends, mais comment ça dans l'ascenseur? Attends, il y a un ascenseur. Oui, là! Regarde, mec! Gros, l'ascenseur est complètement incroyable! Allume-le! Vite! T'inquiète, j'allume l'ascenseur. Ok, du coup... la gravité. C'est bon, on monte à l'étage. Ok. Oh non, mec! Il nous faut la carte de l'agence pour rentrer à l'intérieur. Oh non, et passer à la prochaine épreuve. Mais attends, j'ai pas envie d'aller en arrière, mec. C'est sûr, on va voir Peppa Pig, mais mec. Mais gros, je suis sûr que Peppa Pig a la carte sur lui. C'est sûr, il faut carrément attaquer Peppa Pig pour récupérer la carte. Tu vas me dire que là, il faut attaquer Peppa Pig, mec. Mais attends, c'est pas possible, gros. Attends, comment on va faire? Les gars, pour nous aider à affronter Peppa Pig, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. C'est très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Grosse dédicace à ces personnes qui viennent tout juste de s'abonner. Et si toi aussi tu veux une dédicace pour la vidéo de demain, il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Bon, Jean-Fils, j'ai entendu parler d'une légende. Il paraîtrait que Peppa Pig aime se cacher dans les coins de pièces. Donc je t'explique quelque chose. Ici, on va fouiller les coins de la pièce juste en bas. Il doit se trouver à tout moment quelque part. On lui met un coup de pioche sur son front, on récupère la carte et on monte jusqu'ici.
Je t'avoue que j'ai peur, mais il faut bien qu'on fasse. Donc je te suis, Nobo, je te suis, mec. Okay, moi j'ai peur. Oh, gros, je descends. Ok. Il pourrait se trouver où? Donc le coin ici, il n'y est pas. Ok, il doit sûrement se trouver dans le coin opposé. Attends. Hop. Attends, je vais regarder juste ici. Oh oui, mec, il est. C'est bon, j'ai la clé. T'as j'ai la trouvé clé, la clé, gros. Ok, vite, fonce. Cours. Attends. Oh. Non, il est là, gros. Cours, vite. Oh, mais attends, tu lui as volé sa clé, mais c'était une blague que je faisais. Mais pourquoi tu as osé voler sa clé? Oh, non, mais il faut bien, gros. Allez, c'est bon, on passe. Allez, vite, vas-y, on ferme la porte. Normalement, il est pas censé être là, hein. Oh, gros, il y a ses réserves de nourriture juste ici. Il y a son foin. Mais attends, allez, je casse tout. Allez, mange son foin. Oh, nice, mec, on a réussi à s'échapper, Nobo. Bien joué. Bien joué, Jarfis. Et voilà, les amis, on a réussi à s'échapper du PeppaPig.exe. Je vous l'ai déjà dit, ne jouez jamais à 3h du matin, c'est d'une importance capitale. N'oubliez pas votre like, votre commentaire et bien sûr, monsieur, sur les réseaux sociaux. Personnellement, je vous kiffe, je vous fais un bisou. On se voit à la prochaine. Tchuss.